Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni, qu'il soit acclamé ce matin. Parce que le Dieu que nous adorons est un Dieu qui est vivant. La Bible dit que c'est lui, par sa parole, qui a créé le monde. Il a fondé le monde. Il a fixé les étoiles dans le ciel. C'est lui qui nous a donné un corps. Il nous a créé à son image et à sa ressemblance. C'est pourquoi en ce matin, nous voulons lui rendre toute la gloire. Nous voulons lui rendre l'honneur et la puissance qui lui est due. Je ne sais pas comment le dire. C'est que je peux dire, mon frère, ma soeur, c'est que Dieu est bon. Quand tu regardes tous les obstacles, quand tu regardes tout ce qui s'est passé et que tu es là encore ce matin, Dieu ne peut qu'être un Dieu bon. Et je salue ce matin tous les chauffeurs des taxis, qu'ils soient catholiques, protestants ou musulmans, connectés, soyez bénis, que la main du Seigneur soit sur vos vies. T'adorer, je veux t'adorer, Père, t'adorer. D'exprimer le désir de mon esprit, celui de demeurer dans ta présence. D'exprimer le désir de mon âme, celui de me jeter dans ta présence. Je veux t'adorer. Je veux t'exprimer. Je veux t'exprimer le désir de mon cœur, celui de t'appartenir. Exprimer le désir de mon âme. Je veux t'exprimer le désir de mon âme, celui de t'appartenir. Le désir de mon esprit. Je veux t'exprimer le désir de mon esprit, celui de t'appartenir. Non, je ne me prosternerai pas devant les eaux. Non, non plus devant les animaux que tu as créés par ta parole. Tu as rangé sous mes pieds pour que je puisse dominer. Mais voilà pourquoi. Redonné ton souffle de vie. Père, je lève ton nom en dignité. Toi de qui me vient ma paix. Père, je célèbre ton nom, je glorifie ton nom, car ma joie me vient de toi. Je n'ai d'autre Dieu que toi, je n'ai d'autre Père que toi. Toi seul est le désir de mon âme. Oh, tu es tout. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi.
Commence à lever la voix et bénis le Seigneur. Dis au Seigneur, Seigneur, tu es tout pour moi, tu es ma raison de vivre. En réalité, c'est de toi que me vient le bonheur. En réalité, c'est de toi que me vient la paix. Cette paix que personne ne peut décrire, qui ne dépend pas d'un bien personnel, matériel ou quoi que ce soit. Mais cette paix qui est au fond de mon cœur, qui me pousse à me connecter tous les matins, à te chercher, oh Dieu. Je veux te dire merci, Seigneur, mon Dieu. Je sens, Seigneur, le flot de ton esprit. Je voudrais vraiment, Seigneur, qu'il pleuve, que ton esprit se répande, qu'il pleuve dans le cœur de tous les adorateurs. Tous ceux-là même qui ont vécu une nuit difficile et pénible. Tous ceux-là même qui n'ont perdu le sommeil. Qui se sont connectés cherchant ta présence. Nous savons, Seigneur, que le flot de ton amour se déversera dans leur vie. Nous savons, ô notre Dieu, que tu es capable d'apaiser toutes les tempêtes. Amen. Oh. Je sens le flot de ton amour. Je sens le souffle de ton esprit. Que ton règne vienne sur nous, fais qu'il pleuve. Tu peux poser la main sur ton cœur. Je sens le flot de ton amour. Je sens le souffle de ton esprit. Que ton règne vienne sur nous, fais qu'il pleuve. Oh, commence à présenter ton cœur. Seigneur, regarde nos vies. La nuit a été pénible pour certains. D'autres ont perdu le sommeil. D'autres ne savent même pas où mettre de la tête. Des adorateurs, Seigneur, se retrouvent devant une situation, une décision à prendre. Mais ce matin, nous voulons répandre nos vies devant toi. Ouvrir nos cœurs. Qu'il pleuve sur nos cœurs. Oh, je sens les flots de ton amour et de ton esprit. Les bruits des cieux se font entendre ce matin. Se font entendre, Père. Oui, qu'il pleuve, Père. Oui, qu'il pleuve. Présente-toi, Seigneur, de ton amour. Seigneur, ce sont nos vies que nous présentons dans nos cœurs. Les bruits des cieux, Père, les bruits des cieux se font entendre. Oui, qu'il pleuve, Père. Oui, qu'il pleuve. Ouvre les écluses.
Ouvre-les, ô Père. Ouvre-les, écluse des cieux. Chante avec nous, fais qu'il pleuve. Dans nos cœurs, fait qu'il pleuve sur nos lieux de travail, fait qu'il pleuve sur notre trajet, fait qu'il pleuve dans nos cœurs, que ta paix vienne s'installer, parce que celui qui n'est pas en paix ne peut pas t'adorer, celui qui n'est pas en paix ne peut même pas te louer. Fait qu'il pleuve, dis au Seigneur, fait qu'il pleuve sur moi, fait qu'il pleuve dans mon cœur, afin que cette colère qui m'habitait toute la nuit s'en aille et que je puisse t'adorer comme il se doit. Fais qu'il pleuve dans mon cœur afin que cette décision de vengeance que j'ai portée toute la nuit, oh Seigneur, s'éteigne en moi. Fais qu'il pleuve, Seigneur, dans mon cœur afin que cette peur de la maladie, ce que je viens d'apprendre, ce mal que j'ai, oh Seigneur, qu'il me fait trembler. Fais qu'il pleuve, Seigneur, que je sois en paix. C'est que je t'offre mon adoration, ma louange. Oh Seigneur, on va dire encore Seigneur. Fais qu'il pleuve. Fais qu'il pleuve. Ouvre les écluses des cieux. Ce matin, nous voulons nous présenter au Seigneur. Nous croyons que notre Dieu nous aime, que son amour pour nous n'a pas changé, que son amour pour toi aussi n'a pas changé. Nous le croyons fermement, c'est pourquoi nous sommes là ce matin. Nous savons que notre Dieu est un Dieu bon et c'est ce que le psalmiste nous dit dans le psaume 118. Il dit au verset 1, « Rendez grâce à Yahvé, car il est bon, car éternel est son amour. » Éternel est son amour. Son amour ne change pas, mon frère, ma sœur. Alors dis-lui, « Seigneur, je sais que tu es bon. » C'est vrai que même si les humains, même si mes frères ne sont pas bons avec moi, moi, je sais que tu es bon. Nous voulons prendre ce cantique, « Dieu est bon, alléluia, il est bon, alléluia. » Dieu est bon, alléluia. Pourquoi? Pour que notre âme même ce matin puisse louer le Seigneur. Même si notre chair voit des choses contraires, notre âme veut louer le Seigneur. Dis Seigneur, je veux te louer malgré ce que mes yeux de chair voient. Je veux te louer, même si Seigneur les circonstances de la vie, je veux te louer dans ma vie, je veux te mettre à la première place, Seigneur notre Dieu.
Alléluia. On va tous dire Alléluia. 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 Commence à dire Alléluia avec nous. Alléluia. 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 Toi-même chante avec nous. Alléluia, c'est le chant des rachetés. Seigneur, que mon projet soit accepté. C'est toi qui as financé ce marché pour moi. C'est toi qui m'as donné les moyens. Et ce matin, je veux lever la voix pour bénir ton nom. Pendant que nous sommes en train de chanter, toi, élève la voix et bénis le nom du Seigneur. Oh, il est bon.
famille. Alléluia. Il est bon pour mon patron. Alléluia. Il est bon pour mes enfants. Alléluia. Que Dieu est bon pour mon épouse. Oh. Alléluia. Il est bon pour les malades, oh mon Dieu. Alléluia. Oh, Dieu est bon pour toi, quelle que soit Alléluia. La maladie. Dans ta vie. Alléluia. Moi je veux l'élever. Alléluia. Pour sa grâce dans ta vie. Alléluia. Ce matin, moi je veux l'élever. Alléluia. Pour tous les pièges qu'il porte devant toi. Alléluia. Ce matin, moi je veux l'élever. Alléluia. L'élever pour sa bonté. Travailler un jour. Alléluia. Je vais lever ton nom, je veux bénir ton nom. Ce n'est pas facile. Alléluia. Mais je sais que tu es celui-là même qui pourvoit. C'est pourquoi Alléluia. Je veux te dire merci. Alléluia. 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 Oh, il est bon. Alléluia. Le psalmiste le dit dans le verset 2 Alléluia. Du psaume 118. Qu'elle le dise, la maison d'Israël. Éternel est son amour. Qu'elle le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Qu'il le dise ceux qui craignent Yahvé, éternel est son amour. Dans mon angoisse, j'ai crié vers Yahvé. Il m'a exaucé. Il m'a mis au large. Yahvé est pour moi. Plus de crainte. Que me fait l'homme? À moi, Yahvé est pour moi mon aide entre tous. J'ai toisé mes ennemis. Ah, il dit mieux vaut s'abriter en Yahvé que se fier en l'homme. Amen. Mieux vaut s'abriter en Yahvé que se fier au puissant. Amen. Ce matin, nous voulons nous abriter sous ton aile. Moi, je dis qu'il y a des moments où nous n'avons pas forcément besoin de chanter beaucoup de cantiques. Un seul cantique peut faire ce que 10 cantiques collés peuvent réaliser. C'est pourquoi je dis, regarde dans ta vie tous les combats que tu as menés, toutes les victoires que tu as obtenues par sa grâce, ton cœur qui a été fortifié. Est-ce que Dieu n'est pas bon? C'est parce qu'il est bon que tu es encore connecté. C'est parce qu'il est bon que son haleine de vie t'a encore été donnée. C'est parce qu'il est bon que tu as encore la grâce de pouvoir même réfléchir, penser et concevoir un projet, même s'il n'a pas encore été financé. Mais tu vois, tu as l'intelligence, tu as la grâce de pouvoir concevoir, tu as la grâce de pouvoir faire des choses de tes mains, quel que soit le diplôme que tu as eu, même si tu ne t'es pas assis dans un bureau. Aujourd'hui, ce que tu gagnes, c'est plus que quelqu'un qui est dans un bureau. Tout au long de la semaine, je t'en supplie, à ta pause, retourne, prends le psaume 118 et commence à le méditer. Et sache que Dieu est bon, quel que soit ce qui adviendra au cours de la journée. Ne perds pas ta grâce, ne perds pas ta joie. Dieu est bon, Dieu n'a pas changé. Mon frère, ma soeur, Dieu est bon. Et chante ce cantique jusqu'à la fin de la journée. Quelle que soit la nouvelle que tu vas apprendre, dis Alléluia, Dieu est bon. Oh, Dieu est bon. Alléluia. Il est bon. Alléluia. Il est bon. Alléluia. Il est bon. Alléluia. Alors que le Seigneur te fortifie, qu'il te garde dans sa paix. Amen. Parce qu'il est fidèle, celui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Il est bon.
tu es bon, pour moi tu es bon.